fais tout pour lui. Tu diriges cette école. Seigneur, tout pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir la Bible en livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5. Ce sera le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, s'il vous plaît. Si vous faites la lecture. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Gloire à Dieu. Donc, cette épître est écrite par un éminent homme de Dieu, du nom de l'apôtre Paul. Et il nous fait savoir ce que nous sommes en fait en Christ. Des nouvelles créations, à cause de notre union de vie avec Christ. En même temps, le Seigneur nous a sauvés, pas pour que nous occupions la terre inutilement, mais il nous a établis comme ambassadeurs. Alléluia. Avec un portefeuille bien chargé, la réconciliation. C'est le ministère de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, sont appelés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, à réconcilier les hommes avec Dieu. Nous ne sommes pas ici pour prôner une dénomination. Nous ne sommes pas venus cet après-midi pour prôner une organisation quelconque. On ne réconcilie pas les âmes à un bâtiment. On ne réconcilie pas les âmes à une structure, à une organisation. On les réconcilie. Et pour réconcilier, il faut parler. Donc l'évangile qui dit aux gens, aux femmes de cette terre, parce qu'elles sont des femmes, ce n'est pas un évangile qui vient de Dieu. Parce que comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier les gens si on a la bouche fermée? Dieu a fait de nous des pierres vivantes et non des pierres mortes. Alléluia. Donc nous avons une part, tous ce que nous sommes, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a une part dans les choses de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, et c'est un appel que je lance à tous les frères et sœurs à travers le monde. Si vous êtes dans un endroit où on vous empêche de parler de par votre, la couleur de votre peau, de par je sais pas, votre sexe, en fait je veux dire que quoi, là où on pratique le racisme, les discriminations, la misogynie, la phallocratie, eh bien, c'est nous les hommes, les femmes doivent se taire, les femmes doivent en bas. C'est très faux. Cet endroit-là, en fait, se prive. Ces personnes-là se privent du potentiel que Dieu a mis en leur propre sein. C'est pourquoi la plupart d'assemblées, même des gens sortis des vieux bâtiments, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, chers frères et sœurs. Nous devons libérer les dons, chers frères et sœurs. Alléluia. Et cet après-midi, vraiment, Dieu, le Seigneur nous a donné l'autorité, le mandat. Non seulement de prêcher, mais de prier. Vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, de l'accréditation d'une personne, d'un bishop, pour prier sur les malades. Si l'Esprit de Dieu vous saisit cet après-midi pour prier sur les gens, pour imposer les mains, pour chasser les démons, mais c'est votre appel, c'est votre l'évangile est accompagné des miracles. Ce sont les signes qui témoignent que vous avez cru, vous êtes converti, vous êtes à Christ. Alléluia. Donc vraiment, sentons-nous libres et prêchons la vérité aux gens. Présentons-leur un seul nom. Nous ne sommes pas venus ici pour que ce n'est pas l'évangile des pantalons, des foulards, des mèches, des cheveux qui amènent les gens au salut. Annonçons le Christ. Ça ne veut pas dire que je suis pour que les gens s'habillent et n'importe comment. Non. La Bible parle de la naissance. Et je crois que la première des choses, les gens ont besoin d'être touchés par le Seigneur. S'ils sont touchés par l'Esprit de Dieu, s'ils sont capturés par le Seigneur, alléluia, c'est un peu comme le pêcheur. Le pêcheur, quand il attrape son poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Le poisson attrapé, il va faire quoi? Ce poisson est au pouvoir entre les mains du pêcheur et le pêcheur peut maintenant écailler. Il peut enlever les écailles dans le poisson. C'est la même chose. Quand le Seigneur, il faut d'abord que le Seigneur attrape des personnes. Quand le Seigneur attrape une âme, c'est lui qui va se charger d'enlever tout ce qui est artificiel dans la vie de la personne. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça se fait progressivement et individuellement. Alléluia. Il faut beaucoup de patience dans les choses de Dieu. Donc, vraiment que le Seigneur nous soutienne cet après-midi qui nous porte. Et qui nous libère de toute peur. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Dieu. Il nous donne en cet après-midi de vaincre nos peurs. Et qu'on aille avec la force qu'il nous a donnée. À lui soit toute la gloire.
que ce nom soit béni.